Salut les petits loups, vous êtes bien sur le stream de Narwo. On est en train de streamer du EVE Online. Ça va être un stream assez court, je pense. Je suis en train de faire un petit peu d'exploration. Bon, je voulais partager ça un petit peu avec vous pour que vous voyez où j'en suis. J'ai commencé un petit peu l'explo en low sec hier. Bon, j'ai pas pris beaucoup de risques dans le sens où j'ai fait ça vraiment tard le soir. Mais pour l'instant ça s'est bien passé, donc ma découverte de l'exploration suit son petit bonhomme de chemin quoi. Donc là je suis en 0,5, prends pas de risque parce qu'on est samedi et je suis pas très bien réveillé, donc je vais pas prendre le risque d'oublier de checker un truc et de me faire exploser. Hier soir en low sec, je suis vraiment pas passé loin de me faire exploser. Je suis tombé sur une porte qui était campée et je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que les gars étaient déjà en train de taper quelqu'un d'autre. Et avec un héros, on passe quand même assez vite, quoi. Même si il est absolument pas fité pour que ce soit une savonnette, quoi. Donc je pense que c'est plus un coup de chance dans le contexte. Mais bon. En tout cas, cette première expérience en low sec était plutôt bonne, on va dire. Je vais trop vite. Data site.
warp drive active. Ok. On va voir ce que ça va donner. Ok, il y a un autre explorateur dans le système. Ça n'a pas encore été looté. Je viens de réaliser que je n'avais pas modifié le nom du jeu encore. Ok, ça c'est fait. Je sais pas ce qu'il me fait encore. Ok, ou alors il est en train de me dire que c'était vide. Voilà. Oh, il va être là. Et il y en avait pour 500 000 dedans à peu près. Ok, donc là il n'y avait plus rien. Bizarre. Ou alors c'était déjà vide par défaut, mais. On se tire de là. On va étudier les deux autres signatures.
Hey, salut Dicta, ça va bien? Ok, c'est cool. Site, on ignore. Salut Julio, c'est salut. Je sais pas comment prononcer ton ton nom, on va dire HD Abyssian. Ok, bah salut Abyssian alors, bienvenue sur le stream. Et encore un wormhole. On va passer au suivant.
J'ai failli oublier mes sondes. Ce serait pas une première fois. Salut Bibis! Comment ça, ça faisait longtemps, comment ça va? Ah, le wormhole, j'ai découvert ça récemment, justement. Abyssian. D'ailleurs, il y a un viewer sur le stream qui est pas étranger à ça. Il se sera reconnu. Ouais, ça va bien, Bibis, je te remercie. Je suis pas super bien réveillé. Par contre, c'est pour ça que là, j'explore en high sec, en low sec. J'ai peur d'oublier de vérifier ce qu'il y a derrière moi. Est-ce que de pas être très réactif? Là, je m'étais arrivé direct dans les talons, quoi. Donc, faire gaffe. C'est très bien, Julius. C'est Bibis qui m'a emmené en wormhole. Oh, un data site, cool. J'espère qu'il n'a pas déjà été visité. T'as jamais fait de wormhole? Bah, je te conseille, c'est vraiment sympa, Abyssian. C'est vraiment pas monotone. T'es obligé de tout vérifier. T'as une grosse pression parce que n'importe qui peut te tomber dessus à n'importe quel moment. Non, j'ai vraiment aimé, quoi. Vraiment cool. Allez, on est parti pour un data site. Avec un peu de bol, il n'aura pas été encore visité. Allez, on y croit. D'accord. Comment ça, le contraire aurait été étonnant, Julius? Julius, je sais pas pourquoi je t'appelle toujours Julius. Yes.
Putain, j'espère qu'il est pas là, j'aurais l'air con. Ouh, ça fait mal ça. Les coups, il est derrière. Bingo. Ouais, 695 à ISK. J'ai le cul bordé de nouilles, les mecs. Sans déconner, ils auraient pas pu mettre juste un gros caca à la place, quoi. 695 à ISK. C'est tellement insultant. Ouais. C'est un gros caca ou un gros majeur bien tendu, tu sais ça. Allez, c'est reparti. J'imagine bien là. Allez, on la tente. J'ai deux clés à molette, hein, de toute façon. Ah, perdu. Ah, il est là. Allez, c'est tout bon. 313, bon. Ça aurait pu être pire. Allez, on se tire. Ouais, même pas le prix d'un missile. Sans déconner, 300, 300 ISK, quoi. Si c'est pas insultant, ça. Ils auraient dû mettre un message avec You stupid dumb. Allez, on reste en 0,5. Bah ouais, légèrement quand même. Oui, non, non, mais je sais que je pourrais faire ça, Bubis, mais l'explo, j'ai opté pour l'option du minimum syndical et au niveau skill et au niveau équipement, parce que je compte rapidement plutôt aller faire ça en low sec. Si je continue, hein, bien sûr, pour me faire un peu plus de pognon, et qui dit low sec dit des vaisseaux explosés de temps en temps, voire régulièrement. Donc, bah, moins j'ai dépensé en équipement et moins je crise quand je me fais défoncer par des mecs qui campent une Stargate, tu vois. Et je vais plus me concentrer sur le minage pour l'instant sur ce perso-là. Là, j'ai la barge demain, donc ça va être cool. Bien évidemment, je vais devoir encore monter des trucs pour un fitting complet, mais j'ai de quoi miner en barge dès demain. Là, je vais commencer à rigoler un peu plus au niveau. Non, puis l'explo, c'est je suis plus en mode découverte.
Parce que je pense que sur le long terme, je vais gagner plus en minant. Oh, un Relic Site. Eh mais j'ai le cul bordé de nouilles ce matin, j'ai bien fait de venir, hein. Je suis mal réveillé, mais. Je vais trop vite. Oui, j'ai récupéré mon contrat. Merci beaucoup d'ailleurs, les gars. C'est vraiment cool de votre part. Je suis désolé d'être parti comme un voleur hier, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec Nubax. Et il avait envie de streamer, donc je pouvais pas lui faire l'affront de rester sur Rift, qui est un jeu auquel il joue pas, quoi. Ouais, c'est surtout du lancer de dés. Parce que c'est vrai que ceux qui disent gagne 60 millions par heure en alpha, oui, c'est 60 millions par heure, une fois sur combien? C'est plus ça qu'il faut poser comme question, parce que tu peux passer des heures sans rien ramasser. Et puis tu peux avoir une heure magique juste derrière, quoi. C'est ça le truc avec l'explo. Bah, surtout Nubax, Bibis, si tu le suis le stream depuis assez longtemps, tu sauras que Nubax, c'est l'un des trois qui est sur l'avatar. Donc, ça faisait une semaine que j'avais pas joué avec lui, ça allait plus, quoi. Ok, bon, on en a trois, formidable. C'est 5000 aussi, ça je crois, ouais. Allez, c'est parti. Oh là, c'est très sécurisé dans le coin. C'est là. Bingo. Dix-sept mille, waouh. Oh, de la balle. Je vais me faire suicide gank, hein. Faire des loots magiques comme celui-là. Oh, le bouffon. J'avais encore des clés en plus. J'avais oublié de regarder la vie qui restait à mon virus. Et bah, direct. 10 000 ISK, ouais. Je se fous de ma gueule. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon.
Ouais, j'ai un peu la poisse, ouais. Ouais, Julius, mais comme je disais tout à l'heure, si je le monte, c'est pas tout de suite. Là, vraiment, je me concentre sur le minage. Vous m'avez convaincu, là, avec vos sorties, que le minage en groupe, c'est certain. Je pense que ça va certainement plus me plaire que l'exploration. Même si ça devait payer moins, c'est vachement plus drôle. Oh, mais t'inquiète, Julio, ça me fait plus rire qu'autre chose. Je fais mine que je rage, mais ça me fait plus marrer qu'autre chose. Cool. Et voilà. Et oh la vache, 3 Relixite, je fais même pas, je fais à peine 20 000 quoi. Le jeu il me fait juste un gros. Putain, j'y crois pas. Allez. On va pas s'ouvrir les veines pour autant, hein. Putain. Mais carrément, Vivis. Non, c'est plus une crise de nerfs qu'une dépression que je vais faire, je pense. Allez. Putain, 20 000 en 3 sites, j'hallucine. Et moi qui me satisfaisais de tomber sur un data site, un relic site sur deux systèmes d'affilée, le jeu m'a fait ouais, bah sois pas content si vite que ça, mec. Ok, bah bonne AFK, babies. Là, je dis wormhole. Qu'est-ce que vous dites, vous? Bah, je sais pas, peut-être. Tu dis data site. Alors data site à 20 000, moi je dis. Eh, j'avais dit wormhole, j'ai gagné. En même temps, c'est ce qu'on croise le plus souvent. J'ai pas pris trop de risques. Allez, c'est pas grave. On va pas se laisser aller à la déprime. Bah, ils sont passés, hein. Juste avant que tu arrives, j'ai looté, je pense, à peu près 250 000. Ou 300 000, je pense. Bah là, il n'y a rien du tout. Next. Bon, je vais regarder ce que j'ai. Ça, c'est ce que j'ai depuis hier soir. Je suis à presque 3 millions.
Ouais, j'ai dû looter un tout petit peu moins d'un million là. J'ai peut-être à peu près 800 000 depuis que j'ai commencé. Et ça fait 36 minutes que je stream. J'ai de la chance, c'est sûr. Mais c'est tellement aléatoire l'explo, c'est ça qui est rigolo. Mais je pense que l'explo, c'est vraiment le bon plan pour les mecs qui jouent tout seul, tout seul, tout seul, quoi. Ok, il n'y a rien ici non plus, on se casse. Ouais, c'est rigolo. Et ben décidément, trois de suite. Voyager avec un capsulier là, je crois. Deux trois fois que je le vois. Allez. On a deux à regarder. C'est parti. Et pendant que j'y suis, je vais faire ma petite pub. N'hésitez pas à follow le stream. Je stream du Eve Online régulièrement. Ça me ferait plaisir de vous avoir parmi nous. Ce serait cool. Ok, je suis allé trop vite. Commence. Je dis ça sent le wormhole. N'importe quoi là.
wormhole. Unstable, unstable, worn wormhole. Je serais curieux de savoir ce que c'est que cette nuance. Ça veut dire que c'est encore plus rock'n'roll. Quelqu'un sait sur le stream? Tu peux se fermer n'importe quand. Tu veux dire même quand t'es dedans? Ça craint? Ok. Ah bah un autre. Bon, on va passer au système suivant. Ouais, je vais pas oublier mes sondes. Ah oui, c'est chiant. Alors que le transport, c'est chiant et c'est stressant en même temps. Donc, à tout pour plaire. Du Dark Age normalement dès dimanche. Obso revient dimanche soir et normalement il y aura Soya aussi. On va faire du stream à 3, surtout qu'Obso a récupéré un micro, je crois. Donc attendez-vous à des grosses blagues de merde. Pas mal notre spécialité à l'époque. Et si t'as envie de t'y mettre à DAOC, Julius, tu peux venir jouer avec nous, hein, si tu veux. On va t'apprendre. Et un wormhole. C'est pas pour changer. Ok, pas de problème. Comme tu veux. J'ai déjà croisé lui. Rien du tout. De For Honor? Qui c'est ça, For Honor?
C'était fait par Ubisoft Montréal en plus. Oh, ça a l'air cool, on dirait Kingdom Under Fire un petit peu. J'avais adoré ce jeu sur la première Xbox. Il était génial. Le tout premier et le 2 étaient vraiment cool. Non, c'était pas le 2, c'était Kingdom Under Fire Heroes qui était vraiment cool aussi. Je sais pas si tu connais. Ça, c'est le genre de truc. Sans déconner, je tomberais sur une Xbox, la première, pas trop chère. Je pense que je me l'achèterais juste pour ce jeu-là. Oh, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Ce jeu-là, à l'époque, je l'avais retourné, quoi, mais. J'avais adoré, quoi. Ça mélange beat'em up, RPG et stratégie. C'est génial. C'est juste génial. Avec du gros métal en arrière pendant les combats, c'est d'enfer. Et des boobs. Très important. Ça change tout au gameplay. Ah non, c'est un très très bon jeu. C'est d'ailleurs, ils avaient pour objectif à un moment d'en faire une version en ligne, et je pense que ça a jamais dû dépasser le stade de la bêta. Donc ça a dû être un pétard mouillé en fait, ce projet. Ah ouais, j'avais adoré ce jeu-là aussi, Age of Mythology. Je l'avais bien retourné à l'époque aussi, avec les extensions et tout. J'avais bien retourné. Et un wormhole pour ne pas changer. Salut RelativeX, comment ça va? Ouais, j'en suis pas encore là, RelativeX. Et Explo, je m'y mets tranquillement et puis je suis plus en phase découverte. C'est plus un truc que je fais quand je suis tout seul en fait. Pour l'instant. C'est ce perso-là, je le destine plus à une carrière de mineur pour l'instant. Mais ouais, c'est une bonne idée ce que tu me dis là. Bah moi ça va bien, je te remercie beaucoup. Juste pas très bien réveillé, d'ailleurs c'est pour ça que je reste en high sec. Pas prendre le risque d'aller en low sec alors que j'ai les yeux sous les orbites, quoi. Je déteste quand ça fait ça. Allez, on va essayer comme ça. Casse-gueule ce que je fais, mais. Ok. Finalement, c'était pas si mal.
Oui, c'est exactement ça, RelativeX. Je pense que pour l'instant, je suis vraiment en phase découverte. J'ai pas les skills, j'ai pas le skill non plus. Donc, je suis pas assez rapide, puis j'ai pas encore les bons réflexes. Notamment, enfin hier, j'ai fait un petit peu de low sec. Bon, je l'ai fait parce que il était très tard en Europe, quoi. Sachant que c'est quand même les Européens qui jouent le plus tard. Il était 11h du soir ici, donc ça veut dire qu'il était 5h du mat en Europe. Salut Julius. Donc j'ai pris le risque de faire de la low sec. Et encore, j'ai bien failli me faire péter par des campeurs de Stargate. Encore un wormhole. Donc on va partir. Donc là, tu vois, je commence tout juste. J'ai même pas les skills, tu vois, pour avoir les trucs qui agrandissent et qui améliorent le. Attends, je vais te montrer ça sur mon feed. Clac. Tu vois, ça, j'ai même pas les skills pour avoir ça et ça. Donc, ça, c'est vraiment un perso que je vais dédier au minage. Et là, l'explo, c'est quand je suis tout seul et que j'ai pas le temps. Je vais avoir une barge. Je vais pouvoir miner à la barge à partir de demain. Je prends mon temps, quoi. Quelques signatures. Allez, c'est parti. Avec un peu de bol, on va bien tomber sur un truc bien. C'est vrai que là, ouais, j'ai dû faire à peu près 800 000 là, depuis le début du stream, en 45 minutes. C'est ridicule. Rebibis. Tiens, Anubax. On s'intéresse à Eve Online, mon pote? Je pense pas. Tiens. Faut des copains dans ce système. Comme c'est bizarre. Mon schmurz. Ah, ok. Ah, c'est une bonne idée. Tout le monde ne le fait pas. Je ne citerai pas de nom. Mais disons que tu as fait des compétitives avec eux il n'y a pas longtemps. Mais c'est intelligent de ta part. Que je fasse ça. Et salut Lidamis, comment tu vas? J'en doutais encore de quoi? Du principe de ceux avec qui t'as fait une compétitive récemment ou de ta capacité à analyser de façon intelligente la situation. Ah, de ton intelligence. Non, je déconne. Quoique, t'es un joueur de World of Warcraft. Hein, le troll était complètement gratuit, je sais. T'as relancé tous tes comptes et tu farmes, les Damis. Bah nickel. T'as bien raison.
Je sais pas si je t'ai dit, je suis en alpha depuis une bonne semaine là. Ok. Voilà. Qu'est-ce que t'as pas compris, Lidamis? Ah, je suis passé, oui, j'ai dit alpha. Putain, je suis pas bien réveillé. Hein. Quand je vous dis que je suis pas bien réveillé, les mecs, vous voyez, je mentais pas. Hein. Ça doit être le rhum d'hier, ça, mais. Chut. Faut le dire à Twitch. En même temps, quand je me regarde sur le stream, j'ai presque des yeux de chinois, quoi. Wow. Et un wormhole. Ou alors, pour faire plaisir à Soya, je vais dire j'ai presque des yeux de vietnamien, plutôt. Quoi, je dis ça, Soya s'en fout complètement. S'en fout, lui, il est allé se faire tatouer un Denver, le dernier dinosaure, et un Nicky Larson à Budapest. Il a trop la classe. Je l'ai vu son tatou. Trop la classe. Il n'était pas assez geek encore. Il a fallu qu'il se tatoue des dessins animés et mangas qui passaient dans les années 80 en France. Confirmer son statut de geek maladif. Là, par contre, je prends un petit risque. Qu'est-ce que tu fais, Kimbo? Bonjour, Kimbo. Quand tu veux dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens. Non, tu veux pas venir? Bon. La tête? Allez, viens. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour au viewer. Allez, allez, bonjour. D'accord. Fais son timide pour une fois. Ouais, Lidamis, je fais un petit peu d'explo. Ce perso-là, je suis en train de le monter pour le minage principalement. Mais quand je suis tout seul, je fais un peu d'explo souvent. Un combat site.
longtemps que j'ai pas eu un data site ou un relic site là. Au moins 5 ou 6 systèmes de suite là. La faille est juste à côté de la station. Excusez-moi. Et un combat site. Bon. Je vais essayer un dernier truc. Allez. Dictateur. Combat site. Bon. Ça qui est génial avec l'explos, c'est que tu peux avoir un gros coup de bol et juste derrière, ça peut être la grosse poisse. Et l'inverse.
Et encore un wormhole. Bon, bah, je vais pas insister plus que ça, je pense. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, les petits loups. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce stream. J'invite ceux qui l'ont pas encore, qui l'ont pas encore fait à suivre le stream, parce que je stream très régulièrement du EVE Online. Pas que d'ailleurs. Si vous avez envie de découvrir d'autres jeux, je stream également d'autres choses, notamment des jeux un peu rétro et un petit peu de tout. Donc bah, n'hésitez pas à nous suivre. Et en tout cas, je vous souhaite à tous bon jeu. Je vous dis à très vite. bon repos. Je vais surtout prendre une bonne douche, ça va me réveiller. Je vais streamer dans la journée, donc bah, restez à l'écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis bon jeu à tous. Pour ceux qui jouent à EVE Online, fly safe. Allez, on se revoit très vite, les petits loups. Ciao.